Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous accueillons Édouard Cortès pour son livre Par la force des arbres paru aux éditions des Équateurs. Pour l'interroger ce soir, nous retrouvons Fabrice Baumann, qui est libraire, qui est aussi en charge des animations auprès des collectivités, si je ne me trompe pas, dans les librairies de Sitre, Fur et du Nord. Nous avons aussi ce soir une librairie partenaire qui se trouve à Agen, dans le sud-ouest. Le sud-ouest est en force ce soir, qui est la librairie Martin Delbert. Avant de vous laisser la parole, messieurs, et de discuter arbres, cabanes, tout ce que vous voulez, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Édouard par mon intermédiaire en utilisant le petit onglet « Converser ». Et je viendrai les poser à la fin de votre entretien à Édouard directement. Messieurs, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Édouard Cortès, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Avant de poser ma première question, j'aimerais dire un petit peu quelque chose de votre livre parce que je trouve qu'on est dans une période un peu spéciale qui ne doit pas être facile en fait pour les auteurs, pour les livres, puisque en fait il y a des beaux hasards finalement pour les lecteurs, des rencontres avec des livres et des auteurs. Et puis là, on est un peu tous chez nous, on est un petit peu tous confinés, on n'est pas dans la rencontre. Mais je trouve que peut-être que cette période un petit peu particulière, en fait, elle nous ramène à l'essentiel. Et je trouve que votre livre a quelque chose de fondamental, d'essentiel. Et en même temps, peut-être que même si on vit pas perché dans les arbres, comme vous l'avez expérimenté, on est un peu retranché, on est un petit peu fâché avec ce qui nous empêche de vivre, avec ce qui nous torture un peu dans la vie parfois. Et je trouve que c'est un livre finalement idéal pour cette période. Oui, c'est vrai. Je me suis confiné volontairement. Mais un an avant la période de pandémie. Et donc, mon livre a une résonance toute particulière dans cette période où on vit pour beaucoup dans des conditions très serrées. Ma cabane faisait 6 mètres carrés. On va en parler. Voilà, et j'ai passé 3 mois comme ça, reclus dans un refuge. Alors, dans un refuge choisi et dans un refuge magnifique, puisque c'était une forêt, c'était un grand chêne. Mais c'est vrai qu'il y a des accents comparables. Alors, si ce n'est que moi, j'étais volontaire à mon confinement en forêt et qu'aujourd'hui, on subit plutôt nos manques de liberté, nos manques de déplacement. Et en revanche, il y a des leçons et des similitudes sur la manière dont on peut vivre une réclusion ou un enfermement. Volontaire, on va voir, parce que c'était un choix et c'était une tentative, une épreuve aussi peut-être. Alors, Édouard Cortès, pour peut-être ceux qui ne vous connaissent pas ou qui vous connaissent peut-être dans autre chose, vous nous avez proposé, avant d'aller beaucoup plus loin, vous nous avez proposé des récits de voyage, un peu d'aventure. Et puis, là, c'est vrai que vous nous proposez une aventure encore, mais je dirais que ce n'est pas une performance non plus, puisqu'on parle d'un isolement quelque part pendant un certain temps. Et alors, il y a des choses marrantes dans votre bibliographie, des milliers de kilomètres en 2 chevaux, tout ça. Là, on est dans un livre un peu plus sérieux, j'ai envie de dire, mais en fait, tout à fait aussi agréable. Et vous nous proposez, en quelque sorte, un récit, un morceau de journal, peut-être un fruit mûr, un fruit qui a mûri sur quelques mois d'expérience, et puis peut-être un an d'écriture. Est-ce que vous pourriez peut-être nous, avant qu'on parle de cet arbre, avant qu'on parle de cette cabane, est-ce que vous pourriez nous résumer un peu cette expérience et comment elle s'est produite et d'où elle vient? Alors, la genèse de mon aventure dans mon arbre, donc, que j'appelle voyage immobile, c'est-à-dire une véritable exploration. Certes, je suis resté statique dans un chêne pendant 3 mois, mais pour moi, ça a été vraiment de l'ordre du voyage, de l'exploration, comme j'avais connu avant, c'est-à-dire tous mes grands voyages à pied, en voiture, à cheval. Tous ces grands voyages relevaient du même ressort, c'est-à-dire de partir à la découverte. Il y avait certes aussi une fuite. Et là, ce voyage immobile est très particulier parce qu'il vient d'une mélancolie, d'une tristesse. Il vient d'une sorte de rupture dans la vie où tout d'un coup, l'enthousiasme et l'envie de vivre a disparu. Pour vous donner un peu les clés de mon enforestement, j'ai été berger, puis agriculteur pendant 7 ans en tout. Voilà, j'ai été d'abord ouvrier agricole et ensuite j'ai monté ma propre ferme. J'ai acheté un troupeau de brebis.
Je me suis installé dans le Quercy, à cheval sur le Lot et la Dordogne. Pour situer, c'est entre Sarlat et Rocamadour, dans un coin magnifique qu'on appelle le Périgord ou le Périgord noir. Et petit à petit, essayant de faire évoluer ma ferme, essayant d'avancer avec le troupeau, je me suis lamentablement planté. Et donc, la genèse de ce livre, la genèse de cette histoire immobile de ces 3 mois dans mon arbre, c'est vraiment d'abord l'échec, un homme en ruine, je dirais. Un homme en ruine ou alors une forêt, pour prendre l'allégorie des forêts, c'est-à-dire que Dante, dans la Divine Comédie, parle des forêts noires. Il traverse l'enfer et il dit voilà, c'est les forêts noires, c'est les forêts du suicidé. J'en étais à ce moment de ma vie où tout était noir et où je préférais quasiment mourir que plutôt que continuer à vivre. Et voilà ce qui a fait le ressort qui m'a fait grimper jusqu'à 6 mètres de haut dans un arbre. C'est vrai qu'on pourrait dire que ce chêne vous a sauvé en quelque sorte. Oui. Pour raccorder peut-être à ce qu'on a dit de vos expériences précédentes, je retiens une phrase dans cette lecture. Si souvent partout je me sens quelque part, donc évocation au voyage d'avant et d'un seul coup vous vous sentez quelque part, vous dites que c'est une expérience de l'immobile, comme vous l'avez dit, mais du demeurer, de chercher aussi peut-être la bonne distance. Et vous évoquez une expérience malheureuse, ce livre commence un petit peu par le récit de cette expérience et alors, on est dans une période où les gens cherchent dans les bois des expériences un petit peu futiles, ils embrassent les arbres, voilà. On n'est pas dans la sylvothérapie, hein, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et justement, il faut que j'arrête de parler parce que je me perds, mais y a quelque chose de thérapeutique par rapport à une souffrance. Et il y a une phrase que vous dites sur la souffrance que je trouve très belle. Si je la retrouve ou si vous l'avez en mémoire, j'aimerais que vous évoquiez cette phrase pour parler de cette expérience. Alors, je ne vois pas précisément la phrase, mais j'en ai une en tous les cas. Vous allez la retrouver. Je vais vous parler de... En revanche, ce qui est très intéressant, c'est ce que vous avez dit sur la sylvothérapie. Non pas que je m'inscrive en faux par rapport à ce mouvement, parce qu'il est très intéressant, il est le retour à la forêt, mais j'avoue que je ne suis pas très enclin à embrasser les arbres. J'ai préféré, pour mon expérience, me laisser embrasser par l'arbre. C'est-à-dire que j'ai monté ma cabane, mon nid, à 6 mètres de haut, et donc je me suis vraiment laissé embrasser. Vous voyez, si vous avez l'occasion de voir l'image, là, on voit 4 branches charpentières, et mon petit nid de verre et de bois est posé dans la couronne de l'arbre, et donc je n'ai pas embrassé mon chêne, mais c'est lui qui, pendant 3 mois, m'a embrassé. Et j'ai trouvé là, en revanche, une grande consolation, c'est-à-dire que le recours aux chênes, le recours à la forêt est effectivement une sorte de consolation dans les mélancolies dans lesquelles j'étais, dans les forêts noires dans lesquelles j'étais. Et je rebondis peut-être sur l'échec, puisque ça a été le démarrage de cette expérience, c'est qu'effectivement, je n'arrivais pas à sortir d'une certaine rumination de mon échec l'expérience agricole. Et donc, il fallait un sursaut. Et ce sursaut, j'ai cru bon de le faire là où j'avais encore quelques minuscules lumières, c'est-à-dire auprès des arbres, auprès de la forêt, auprès de la biodiversité. Quand on voit un chêne, on se dit que c'est un être traversé par la sève, mais un être immobile. Mais en réalité, il y a plus de 250 espèces qui gravitent autour du chêne. Et j'ai essayé d'apprivoiser, de découvrir, mais surtout d'être apprivoisé par tout ce petit monde. Et du coup, d'essayer de me réconcilier à la vie. Henri David Thoreau, le philosophe qui va en forêt, qui est pour moi un maître de philosophie des forêts, des canopées, va pour sucer la moelle de la vie. Quand il commence son journal de cabane, il dit « Je pars sucer la moelle de la vie ». Bien moi, je suis parti parce que la moelle de la vie me manquait et parce que je voulais me laisser traverser par la sève du chêne. Et c'est cette expérience très heureuse
que j'ai faite que de pouvoir juste être entre quatre branches, embrassé et traversé par la sève. Puis vous n'avez pas peur de dire que la souffrance est expérience? Oui, la souffrance est expérience. Une pensée positive. Oui, alors elle a différents aspects, parce que d'abord la souffrance, c'est une banalité, mais d'abord c'est terriblement... on a bien du mal à se sortir de la souffrance et à lui donner un sens. Quand bien même on a un idéal, quand bien même on a de quoi s'appuyer intellectuellement ou de cœur, on a des appuis dans la vie sur lesquels on se dit on peut transformer la souffrance. J'étais à un point où la souffrance avait pris tellement comme un océan qui vous noie que je ne voyais pas le recours. Et j'ai eu tout de même une petite merveille, c'est que j'ai relu Cyrano dans ma mélancolie. Et en relisant Cyrano, je me suis aperçu à la fin, j'aime beaucoup Cyrano pour les vers, pour la musique et puis pour le panache aussi. Et à la fin du livre, quand Cyrano est agonisant, je pense que la plupart des lecteurs et des auditeurs connaissent la scène, Cyrano agonise et on veut l'attraper pour le tenir avant qu'il ne tombe par terre. Et lui va chercher un arbre et il dit « rien que l'arbre ». Rien que l'arbre. Et il s'appuie contre l'arbre. J'avais négligé dans Cyrano, j'avais négligé qu'Edmond Rostand avait lui aussi dans son imagination pensé que l'arbre était un sacré recours. Et alors dans ce désarroi intérieur, je me suis dit « rien que l'arbre » et j'ai construit une cabane en un mois et je me suis perché à 6 mètres de haut. Alors, il y a quelque chose qui résumerait peut-être tout ça, c'est un des mots que vous employez, hein, « demeurer et couper ». Parce que ça, on pourrait en parler des heures, comme tout le reste d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses dans votre livre. Mais, et puis les livres, on va en parler aussi, parce qu'il y a des livres dans l'ossature de la cabane, il y a des livres avant-après, enfin, c'est très hétéroclite, c'est bien, vous signez Rostand, mais il y a Ronsard, il y a La Fontaine, il y a Tolkien, enfin voilà. Et donc, j'aimerais qu'on commence à parler de l'arbre, et j'aimerais, parce que je pourrais vous lire en permanence, mais j'aimerais lire la citation de Victor Hugo qui est au début de votre livre. Hugo revient deux fois dans votre livre, et parce qu'on va contrebalancer l'expérience, on va aller vers le côté lumineux de l'expérience, même si on reviendra parfois au côté peut-être noir de l'expérience. C'est que l'amour est comme un arbre, il pousse de lui-même, jette profondément ses racines dans tout notre être et continue souvent de verdoyer sur un cœur en ruine. Oui, j'ai eu recours aussi dans ce livre à la poésie, qui est très consolante, et notamment, là c'est un extrait de Victor Hugo, c'est pas les contemplations, mais j'ai cité aussi les contemplations, vous l'avez très bien relevé, je cite deux fois Hugo, et je m'y appuie beaucoup parce que je trouve que... C'est important. Voilà. Oui. Oui, parce que ça fait écho ensuite à la suite du livre. J'aime beaucoup Hugo pour la manière dont il observe le minuscule. C'est un amoureux des forêts. Il a fait des poèmes entiers qui se passent en forêt, notamment dans les contemplations. Et il a un très beau poème qui s'appelle « Aux arbres », qui est magnifique, que j'encourage... les lecteurs, les auditeurs à lire, c'est un poème vraiment très beau sur les arbres. Et j'aime beaucoup cette idée d'Hugo que à partir du minuscule, à partir d'une goutte d'eau sur une feuille, on peut dégager quelque chose d'universel, on peut dégager quelque chose qui nous transporte. Donc voilà. Et je me place sous ces mêmes auspices que d'ailleurs La Fontaine. La Fontaine était maître des eaux et forêts. Il a repris la charge de son père et donc il connaissait la forêt par cœur, il la gérait, il l'administrait ce très bon savoir français qu'on a de la gestion forestière. La Fontaine a tiré toutes ses fables parce qu'il connaissait très bien le monde vivant, le monde sauvage. Et j'ai cité un petit exemple dans mon livre très, très marrant, enfin, je trouve ça sympa parce que c'est ce que j'ai fait pendant 3 mois, c'est observer la nature. Et un jour, on a reproché à La Fontaine d'avoir observé pendant une journée des fourmis. Et alors, ses parents l'ont grondé sans doute, ils ont dit « enfin, t'as perdu ton temps ». Il lui a répondu « comment ça, j'ai perdu mon temps ? J'ai passé une journée à observer l'enterrement d'une fourmi. C'est pas rien l'enterrement d'une fourmi ».
Ben voilà, j'ai fait à la manière de La Fontaine. Pendant 3 mois, j'ai observé. Alors, j'ai observé des fourmis, j'ai observé des hannetons, j'ai observé les mésanges, les sittelles, les loriots. J'ai eu pour compagnons les chevreuils, les renards, les blaireaux. Enfin, tous ces êtres vivants qui m'ont réconcilié avec la vie et qui ont été vraiment très consolants dans mes forêts noires, mes forêts intérieures. À un moment, vous avez le luxe d'observer pendant une journée l'échange entre les fourmis et les pucerons. Mais on va parler de toutes ces rencontres, parce que ces rencontres, elles sont absolument merveilleuses et fantastiques. Mais avant, j'aimerais, Édouard Cortès, qu'avec la précision que vous avez dans votre livre, avec la poésie que vous avez dans votre livre, on va citer personne, mais j'aimerais que vous parliez de votre arbre, de votre chêne et de la forêt qu'il y a autour. Présentez-nous-le Alors, comme bien l'être, en sûr, fait, bien sûr. l'ami, Alors, déjà vous l'être. dire que mon chêne, je l'ai aimé du premier regard. C'est-à-dire que je traversais avec les moutons ces forêts, donc je connaissais ces forêts. C'est des vallons périgourdins, c'est une chênaie hétraie, c'est la forêt la plus, comme type de forêt, c'est la forêt la plus connue ou la plus classique des forêts françaises. C'est une forêt assez récente, elle doit avoir 70 ans, 80 ans, mais en revanche, le chêne qui est là, ce gros chêne, c'est un chêne plus ancien que la forêt. C'est-à-dire qu'il a été là sans doute une borne ou un chêne d'ombrage dans un pâturage. Donc c'est un vieux chêne déjà qui est entre 120, 140 ans. Et moi, je l'ai aimé d'instinct. Je le connaissais déjà, puisque j'avais traversé cette forêt, je l'avais déjà remarqué. Et je l'ai aimé d'instinct vraiment pour ses branches évasées. Pour son port très élégant, très élancé, très puissant. On retrouve dans le chêne la puissance. Tous les chênes n'ont pas cette force, mais celui-là, je trouvais qu'il avait du caractère. Et je me suis dit, si je dois me percher dans un chêne, j'aimerais bien aller dans celui-là. J'ai hésité avec un hêtre, j'ai hésité avec d'autres arbres, mais celui-là, vraiment, je l'ai apprécié du premier coup. J'ai eu un petit clin d'œil parce que le sauvage. Donne toujours des indices. Et un matin, quand faisais les préparatifs de la cabane, il y avait deux cerfs couchés au pied du collet du chêne. Et ils se sont levés, comme ça, on a fait une rencontre, on a fait un face-à-face avec les deux cerfs. Il y en a un dicor qui portait encore ses bois sur la tête. Et je me dis, voilà, si les cerfs élisent mon chêne pour dormir la nuit, ça veut dire que c'est bon signe. C'est là où je pourrais m'ensauvager, m'enforester comme eux. Et puis ensuite, ce chêne, eh bien, c'est devenu pour moi le merveilleux compagnon de vie. C'est-à-dire qu'on a passé 3 mois ensemble, et vraiment, au début, c'est moi qui, de manière un peu prétentieuse, me suis dit, c'est moi qui vais l'observer, c'est lui. Voilà. Et puis ensuite, c'est nouer une relation. Je ne veux pas faire d'anthropomorphisme, mais c'est lui qui m'a plutôt apprivoisé, et comme dans l'histoire du renard et du petit prince. Voilà. Mais alors, vous avez évoqué un court passage magnifique avec ces deux cerfs. Alors, avant l'émerveillement, avant l'expérience, vous dites que c'est une retraite belle et sobre, en quelque sorte, hein, avant vraiment l'éblouissement. Et puis, comme vous allez nous faire rentrer dans la forêt, vous allez nous faire rencontrer ce chêne bien particulier, vous allez vous rendre compte aussi, et ça, j'aimerais vous faire rentrer dans le détail, parce qu'il y a plusieurs niveaux dans votre livre, il y a une certaine profondeur à plein de niveaux, et vous dites que c'est un arbre quand même qui a survécu à vraiment à l'adversité de plein de manières. Oui, parce que pour devenir un chêne adulte, on ne se rend pas compte du nombre d'épreuves que traverse un chêne. Déjà, les glands, il y en a des centaines et des centaines qui disparaissent, mangées par les bêtes, les sangliers, les écureuils, les loirs, les geais, donc c'est les réserves nourricières. En même temps, le geai à la fois consomme des glands, mais à la fois, il replante aussi les forêts parce qu'il en cache beaucoup, comme l'écureuil, par exemple, Vous le qui a traitez des centaines de caches. de planteur efficace, mais un peu profiteur, de petit banquier de la forêt. Oui, c'est ça, comme les écureuils. C'est des petits banquiers. Ils thésaurisent, ils oublient leurs cachettes, et ensuite, ça fait que ça replante les forêts. Donc, ils sont très alliés. À la fois, le chêne, je dirais, permet. À tous ces petits rongeurs de dévorer sa descendance, et en même temps, c'est par eux qui va au loin pouvoir faire de nouvelles pousses. Et donc, les chevreuils, quand le chêne devient plantule,
Adolescents, les chevreuils se râpent les bois dessus, les cerfs les mangent. Les Donc, devenir un chêne adulte, c'est une sacrée expérience. Et j'aime bien sur mon chêne parce que même en étant adulte. Il a échappé à l'homme aussi. Hein. Pardon ? Il a échappé à l'homme aussi. Il échappe à l'homme parce que un très bon bois de chauffage, le bois de chêne, et ça fait aussi de très bons cercueils ou de très bons tonneaux si on est amateur de cognac ou de vin. Et ce chêne, il continue étonnamment de vivre de la mort, parce que c'est très intéressant la manière dont les arbres se font. Quand il, toute sa vie est tiré vers la lumière, vers la clarté, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon expérience, de faire comme le chêne, d'aller à la clarté. Mais pour cela, il est obligé d'un peu de se, comment dire, de pousser sur sa mort. Et alors le bois, le cœur de chêne ou le cœur d'un arbre, c'est du bois mort. Et c'est très intéressant de comprendre ça. C'est-à-dire que j'avais l'impression de me dire, ben voilà, peut-être que mes morts successives dans la vie, les passages difficiles d'une vie, les échecs et les souffrances, peut-être qu'il faut les vivre à la manière dont le vit un arbre. Je fais une allégorie, je ne veux pas faire encore d'anthropomorphisme, mais vraiment, l'arbre, lui, a l'intelligence de mettre la mort, chaque année il fait une cerne, et de mettre la mort au milieu, et cette mort, ça lui permet de s'élever davantage. Mmh. Alors là, il y a une très belle leçon à tirer du végétal. Nous qui voulons être en permanence connectés aux écrans, chercher à en savoir plus avec le savoir Internet, etc., là, l'arbre nous donne une leçon, c'est que pour s'élever, il faut d'abord trouver les ressources en soi et faire passer la mort. Voilà. Et j'avais l'impression vraiment que mon chêne me donnait une très belle leçon de vie. Certes, il est traversé par la sève, mais il est aussi traversé par la mort, c'est-à-dire qu'il mélange les deux. Voilà. Ouais. Il laisse quelques branches mortes, il prépare quelques cassures pour faire face aux plus gros oui, orages. Oui, exactement, vous avez relevé ça, oui. Et il laisse glisser l'eau et puis il pompe 200 litres d'eau par jour. Oui, c'est incroyable. Bah, c'est incroyable, de toute façon, j'aime pas emprunter, mais je l'ai fait de temps en temps dans mon livre, mais j'aime pas emprunter à la technique moderne ou à la technique, je dirais, industrielle des propos sur l'arbre. Parce qu'en réalité, il faudrait qu'on... Vous voyez, on peut dire que l'arbre est un château d'eau, on peut dire que l'arbre est une gigantesque mécanique de vie, mais c'est toujours trop avilissant ou rapetissant pour un arbre qui, lui, depuis des milliers d'années, s'est adapté au climat, à son entourage, etc. Et bien qu'il soit immobile, il est le maître, parce que c'est lui qui permet à la pluie de s'écouler dans nos nappes phréatiques, c'est lui qui purifie notre air, c'est lui qui... enfin, les services rendus par l'arbre sont innombrables, c'est lui qui nous fait de l'ombre. Et dans ces moments où, en plus, vous voyez, il y a quelque chose de très lié à la pandémie qu'on vit, c'est-à-dire que le vivant et les virus ayant été repoussés par par la disparition des forêts sur certaines parties du globe, on est de plus en plus exposé au virus, on est de plus en plus exposé au réchauffement. Et je dirais que si nous toussons beaucoup aujourd'hui à la manière du virus, c'est aussi parce que les forêts toussent. Et donc, il y a une urgence, évidemment, tout le monde l'a sait, une urgence écologique à sauvegarder les forêts. Mais c'est surtout que... elles sont notre ombrage, elles sont vraiment... J'ai une petite formule rigolote pour dire qu'on devrait remonter dans les arbres. Je ne crois pas que on pense que l'homme descend du singe, mais en réalité, il descend de l'arbre. Voilà. Il y a un livre qui sort au seuil, là, qui a un titre qui pourrait vous plaire. On va parler tout ça de l'écologie, tout ça, parce que c'est un livre, j'ai pas envie de dire foisonnant, parce que c'est un livre concentré, c'est un livre dense. Mais par contre, donc il y a l'arbre, il y a la forêt, il y a le ciel, donc ce qu'on en voit, il y a l'humus. Comme on disait avec Frédéric Degelt avant que l'émission commence, tous nos sens sont en éveil, et puis vous.
Vous êtes près de cet arbre dans tous ces frissons, dans tous ces moments, presque sur une saison très importante pour lui. Et puis, alors, si le mot vous dérange, on le change. Mais j'ai envie de dire que dans ce dialogue que vous avez avec cet arbre, il y a aussi le spectacle de la nature, les rencontres avec les animaux. On les a un petit peu évoquées. Moi, je trouve que c'est vraiment la beauté et la compréhension en fait, de la nature qui vous entoure, qui est dans ces moments. Et ça commence par une super lune. Enfin, un moment absolument incroyable. Et puis après, c'est tout un tas de rencontres, petites ou grandes. Et c'est presque le spectacle de la fontaine, de la vie, de tout, quoi. Enfin... Oui, en fait, mon arbre a été vraiment comme un phare d'observation, comme une cabane d'observation. Vraiment, vous avez vu sur les photos, ma cabane est ronde. Ouais. C'est vitré à 360 degrés. J'ai une vie incroyable sur la forêt et donc je vis au milieu des frondaisons, je vis au milieu de la canopée. Et donc j'ai passé 3 mois à attendre, mais pas attendre en vain, pas une attente oisive. D'ailleurs, il y a un très beau mot de Virgile qui dit que la retraite, comme ça, se retirer des affaires du monde, c'est l'osium, c'est l'endroit où on n'est pas dans l'oisiveté, mais on est vraiment dans le... l'observation, la prise de hauteur sur sa vie. Alors là, c'est une petite hauteur, hein, je suis à 6 mètres de haut, mais on prend un peu de hauteur sur le monde et j'ai passé mon temps à attendre l'inattendu. Voilà, j'ai attendu l'inattendu et l'inattendu est venu tous les jours. Bien sûr, j'avais le quotidien pour vivre, hein, un quotidien très simple, ouais. Aller chercher l'eau à la fontaine, faire mon petit repas. Sur une gazinière, mais sinon j'ai passé mon temps à attendre l'inattendu. Et le jour où j'ai, là on voit très bien ma terrasse, vous voyez, je sortais comme ça sur ma terrasse, je buvais mon café, je pouvais faire un peu de lecture, et on voit mon bureau également, et le jour où j'ai posé sur cette branche que l'on voit ici, qui est une branche maîtresse de l'arbre, j'ai posé avec une loupe de botaniste, j'ai posé mon œil sur un lichen. Et le jour où j'ai posé cet œil sur un lichen, alors là, je me suis dit, je suis rentré dans un pays merveilleux que j'avais négligé. Et je me suis dit, voilà, moi qui ai voyagé si loin, quelle bêtise de ne pas avoir imaginé qu'avec une simple loupe de botaniste, dans une région que j'aime, dans la Dordogne, dans le Périgord, je pouvais faire une évasion incroyable. Et c'est d'ailleurs une très belle leçon pour le moment difficile que l'on vit, pour cette pandémie et ces confinements. C'était qu'on peut facilement aller à la merveille, à la beauté. Un arbre, c'est vraiment, alors là particulièrement ma cabane, quand on est en hauteur, mais c'est vraiment un accès à la beauté du monde. C'est vraiment, mon arbre, c'était le balcon sur la beauté, hein, le balcon sur les canopées. Et donc, je n'ai pas cessé de... Bah, je vous ai dit, par exemple, le lichen, mais j'ai vu un petit escargot très marrant qu'on appelle le clausili, ouais. Qui se cache dans l'écorce. Et quand j'ai mis ma loupe dans l'écorce et que j'ai découvert le clausili, un petit escargot longitudinal, alors là, j'étais enchanté. Je me suis dit, mais pourquoi j'avais ces idées et c'est là où j'ai conjuré aussi les idées de mort et les idées un peu glauques que j'avais en me disant, mais quelle merveille, quand on pose son œil sur la beauté, alors on a de quoi se réconcilier avec la vie. C'est un passage absolument fantastique. D'ailleurs, ce petit escargot n'est pas très éloigné du lichen. Vous multipliez les points de vue, vous l'avez dit. Je ne sais pas si on aura le temps de parler du quotidien, mais c'est très intéressant parce que vous en gardez très peu de choses, mais des choses peut-être très importantes. Parfois, vous montez au sommet, hein, comme John Muir a pu le faire dans des forêts en pleine tempête. Parfois, vous avez peur de chuter. Enfin, de 6 mètres, ça peut faire mal. Mais j'aimerais quand même... Parce que je pense que c'est important. Alors, on va faire un exercice, Édouard Cortès, particulier, mais qui me tient à cœur. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on parle du fond et de la forme de ce livre en même temps. Ça va être compliqué, parce que sur la forme, quelque part, c'est plus simple, parce que j'ai l'impression que vous ne souffrez pas un récit qui s'étale, quoi. Sur quelques mois, vous avez gardé quelques jours, quelques heures, alors peut-être que vous trichez un peu, hein, vous êtes écrivain et vous avez travaillé tout ça pendant un an, mais presque chaque page est un morceau, on va dire, parfois ça va même vers la phrase qui devient presque proverbiale ou l'aphorisme. On en a parlé un petit peu avant,
peut-être que vous allez reprendre ce mot, il y a beaucoup d'ellipses, mais cette forme très resserrée, très dense, très belle, nous entraîne dans différents registres, qui sont ceux de la philosophie, qui sont ceux de la poésie, qui sont celles de l'expérience matérialiste, qui sont celles parfois du zen, hein. J'aimerais lire la phrase où vous dites que celui qui a vu se déplier une feuille au printemps connaît un peu plus la vie et les choses, mais il y a l'histoire avec un grand H aussi, et puis si je puis me permettre, on a parlé de Notre-Dame, on a parlé d'écologie, il y a aussi le contemporain, et ça c'est fascinant parce que vous n'en faites pas des tartines, mais je dirais que ce que vous dites sur l'état de la forêt, ce que vous dites sur l'état de l'homme, dans cet ensemble et vous mouillez en quelque sorte hein, pour une France un petit peu bleu-blanc-verte en quelque sorte je trouve qu'il y a voilà, tous ces registres, que ce soit de la philosophie, que ce soit de l'expérience, tout ça est très fort, très intéressant et nous nourrit énormément même si on n'est pas dans un arbre. Oui, merci. En fait, vous résumez parfaitement. Alors, je ne sais pas comment on va faire l'exercice parce que je trouve que vous, merci, vous rendez un très bel hommage dans la manière dont vous avez saisi la forme. La forme est bien sûr au service du fond, du moins j'ai essayé. Et c'est vrai que j'ai écrit de manière très resserrée. C'est-à-dire que j'ai écrit comme me l'a appris le chêne, c'est-à-dire à essayer de donner la sève. Oui, il y a quelques allégories sur la vie, mais en même temps, on est toujours très resserré sur ce que vit le chêne, ce que c'est qu'un printemps dans un chêne. Donc, la vie fourmille dans sa petitesse, et j'ai essayé de la faire fourmiller aussi, peut-être dans ce qu'elle a de plus universel dans l'existence, par des petites choses, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir une philosophie des forêts, ou alors elle est au ras des pâquerettes, mais... J'ai plutôt, ou alors c'est une philosophie de gland, voilà. Comme j'ai fait le gland 3 mois dans mon chêne, ça peut être une philosophie de gland, voilà. Cette petite philosophie qui est à planter et qui peut-être donnera des fruits chez le lecteur, du moins je l'espère, c'est l'intention, c'est qu'elle puisse fleurir ou grandir comme une plantule chez le lecteur. C'est une philosophie qui est légère. Comme à la manière des frondaisons, je vous dis, dense par la sève, voilà, en donner la meilleure, et je dirais que j'ai essayé de donner la sève élaborée, et oui, il y a des ellipses dans mon livre, c'est-à-dire que j'ai écrit tous les jours, je me suis astreint au journal de cabane, mais dans mon livre, je l'ai amputé des longueurs, du quotidien qui pourrait être trop pesant ou répétitif, et donc j'ai donné plutôt l'enchantement du printemps sans donner forcément toutes les heures d'attente avant qu'il ne se passe quelque chose. Donc ça, c'est plutôt les artifices de l'écrivain qui essaye de resserrer pour que le lecteur ne décroche pas, ne descende pas de l'arbre, si je puis dire. Et puis sur le fond, oui, j'aime bien écrire sous forme de presque à la manière des japonaise, c'est-à-dire avec des aphorismes, des phrases un peu ciselées, parce que elles sont comme autant de feuilles sur l'arbre. C'est-à-dire que quand on s'approche d'une phrase, j'aimerais qu'on puisse en voir presque l'ensemble de la vie. Je vous dis, c'est la manière de Victor Hugo qui voit une goutte d'eau sur une feuille et qui est capable d'en dégager une leçon d'universalité. Alors, on parle de choses très importantes parce que votre livre est une expérience multiple. J'ai envie de dire que c'est quelque part un homme qui se redresse en quelque sorte, un petit peu comme un arbre qui se tient debout en quelque sorte. Et dedans, il y a des tonnes de strates. Hein. Il y a le souvenir, il y a la psychologie qui est à l'épreuve. Il y a tout un tas de registres vraiment passionnants. Et parce que le temps presse, peut-être qu'on pourra s'étendre un peu s'il nous reste un petit peu du rap de temps, mais je trouve qu'il y a aussi, et ce n'est pas pour faire les littéraires ce soir, parce que là aussi on est vraiment à l'essentiel, dans l'ossature de votre cabane, d'ailleurs je n'ai pas précisé, mais vous avez mis du temps à en redescendre les premiers jours, 7 jours je crois sans redescendre, perché là-haut, mais vous êtes monté avec des livres,
Il y a des livres que vous avez lus certainement avant, il y a des livres que vous avez lus après. Donc, il y a des citations en fait, qui accompagnent votre récit. Et alors, on ne va pas faire l'inventaire de cette bibliothèque, mais j'aimerais savoir comment ça s'est emboîté, cette cabane et cette bibliothèque, qui est peut-être celle qu'il y a derrière vous. Oui, la plupart des livres qui m'ont inspiré dans ma vie sont derrière moi, et c'est vrai. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai ici fait une bibliothèque où l'arbre la traverse. Je ne sais pas si ça se voit, mais il y a un arbre dans ma bibliothèque. C'est-à-dire que pour moi, la nature et la culture ne font qu'un. La nature et la littérature ne font qu'un. La nature et la philosophie ne font qu'un. Parce que j'ai l'impression en forêt de vivre une expérience qui est de l'ordre de la richesse d'un livre ou de la littérature. Et alors, dans ma cabane, j'y suis allé uniquement avec deux livres. Dante, la Divine Comédie, et puis pour traverser les forêts de l'enfer avec Dante, pour cette allégorie dont il parle si bien et les tourments intérieurs dont il essaie de s'échapper en allant vers le purgatoire puis le paradis. Donc ça pourrait être l'allégorie aussi de l'arbre qui va des ténèbres, de ses racines dans les ténèbres intérieures, et puis on essaie de sortir vers la clarté par les rameaux. Et donc c'est ce chemin que j'ai essayé de faire. Et puis un autre livre, Penser pour moi-même, de Marc Aurèle, où là c'est je me suis tenu avec les stoïciens, droit comme un i, droit comme un arbre, où j'ai essayé un peu de conjurer avec les stoïciens la manière dont ils savaient, dans les épreuves de la vie, finalement les affronter avec c'est le courant des stoïques, mais. Un stoïque vivant, parce qu'un arbre, il est stoïque parce qu'il ne bouge pas, mais en même temps, la vie le traverse. Et donc, je ne voulais pas être de ces stoïques amers par la vie, lassés de la vie et amers, qui passerait le reste de sa vie à cracher une bile mauvaise. Là, je voulais vraiment, si je peux prendre la position du stoïque, c'est aussi pour me laisser traverser par la sève élaborée. Avant de parler de quelques citations, je vous cite. Je vous en prie. Oui, non, j'avais juste une petite remarque, parce que je n'ai pris que deux livres, et effectivement, j'ai lu avant de monter dans mon arbre, j'ai lu aussi beaucoup pendant mon temps d'écriture. Donc ça, c'est un peu mes petites recettes, mais effectivement, j'ai eu recours beaucoup au livre pendant mon temps d'écriture du livre qui s'est fini pendant le premier confinement. J'avais l'impression vraiment que la forêt était ma bibliothèque, c'est-à-dire que c'était l'encyclopédie universelle. Il y a un petit mot, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez citer, mais un petit mot de Saint Bernard de Clairvaux qui conseillait à ses disciples, qui disait si tu veux être enseigné, va d'abord à la forêt. Tu trouveras là des maîtres bien plus supérieurs encore que n'importe quelle bibliothèque. Et donc, j'ai pris la forêt aussi comme un recours de l'esprit, c'est-à-dire celui qui est capable de nourrir par la connaissance et par l'observation et qui vous ouvre les plus belles pages de la nature. Non, je voulais juste vous citer pour donner un peu de jaillissement peut-être à vos futurs lecteurs, je l'espère. Par exemple, une phrase quand la vie reprend, je reprends du poil de la bête, voilà la vertu de l'ensauvagement. Ben, si, oui, elle arrive pile poil. Et puis. Rien n'est plus incendiaire qu'un homme sans feu sacré. Et ça arrive dans ce moment où vous écrivez, vous êtes isolé, mais en même temps, il y a Notre-Dame qui brûle, il y a des forêts qui brûlent dans le monde entier. Et voilà, il y a tout un tas de phrases comme ça. Et je voulais, comme il y a beaucoup de citations, il y en a une que j'ai trouvée terrible, parce que moi, Bernard de Clairvaux, il me fait un petit peu peur quand même. Mais vous citez l'ami de Flaubert et de Maupassant, qui, sur son lit de mort, dit... Fermez la fenêtre, c'est trop beau, c'est trop beau. Alfred de Poitevin. Oui, juste, c'est incroyable. J'ai découvert ça avec tribulation, de manière très truculente. Et je me suis dit vraiment, si je pouvais mourir comme ça en me disant, on n'a pas envie de quitter la vie, tellement c'est beau. Et c'est vraiment, dans mon âme, je me suis aperçu de ça. J'ai renoué avec la beauté.
J'ai vraiment renoué avec le merveilleux. Et d'ailleurs, la forêt est un je veux pas faire de niaiserie, mais la forêt est un pays sylvestre merveilleux. Et donc, en renouant avec la beauté, vraiment, je me suis dit, mais comment j'avais pu avoir des idées aussi noires de vouloir quitter la vie, alors que là, sous mes yeux, je me disais, c'est trop beau, j'ai envie de rester. Et d'ailleurs, je vous avoue que je serais bien resté quelques années en plus dans mon arbre, parce que vu ce qui s'est passé quand je suis descendu, c'est-à-dire les virus et les confinements, j'aurais préféré rester dans mon chêne. Je veux bien être isolé dans votre cabane pendant un mois, ça m'irait bien, j'ai quelques lectures à faire. Nathalie, est-ce que je peux encore une citation ? Vas-y, vas-y. C'est un peu une citation comme une conclusion, mais il me semble que je me porte mieux en imitant mon chêne. Oui, en se laissant traverser par la mort et par la sève, avec ces deux ambivalences que je porte en moi et que je crois beaucoup porte, c'est-à-dire comment vivre avec ses souffrances, avec ses malheurs, avec ses manquements, mais comment aller à la vie sans la recracher, sans la vomir, mais plutôt en se laissant traverser par le vivant, en se laissant envahir par le vivant. Et je crois que, oui, mon chêne qui a été un merveilleux compagnon, cet arbre qui est aujourd'hui un de mes meilleurs amis, je crois qu'il faut avoir recours souvent à cette beauté du monde si on veut prolonger l'enchantement et essayer de sortir un peu de ces forêts ténébreuses que l'on vit en ce moment. Alors, moi, j'ai beaucoup de questions sur le fait, est-ce que cette cabane existe toujours ? Elle est toujours en place ? Oui, elle est toujours en place et j'y étais il y a 10 jours. Donc voilà, j'y suis retourné, j'ai arrangé un peu le parquet, j'y étais aussi pour Noël. Donc j'y retourne soit en famille, soit tout seul et c'est toujours mon lieu de retraite, c'est toujours ma thébaïde, c'est toujours ça reste aujourd'hui encore pour moi un lieu de repli. J'y ai vécu 3 mois exceptionnels dans ma vie qui sont vraiment à marquer d'une très belle pierre blanche dans ma vie, mais ça reste un lieu vraiment d'enforestement et de quand il y a un chagrin qui arrive, j'y retourne. Voilà. Le livre a été terminé là-haut, je crois. Oui, j'ai terminé les dernières pages en haut. J'y suis retourné au mois de juillet dernier et j'ai fini vraiment les dernières pages pendant une semaine. Je suis resté pour vraiment. Je voulais conclure le livre là-haut. Mais vous la fermez à clé quand vous partez, comme une maison ou quand ça se passe ? Non, non, j'avais mis un cadenas et je l'ai retiré parce que je trouve que c'est contraire à l'esprit d'une cabane et d'un arbre. C'est-à-dire que en forêt, on doit être libre. C'est un lieu de paix. C'est encore un lieu où on nous laisse tranquille. Vous n'êtes pas atteint par les circulations administratives. Vous n'êtes pas atteint par le. Voilà, on peut s'échapper en forêt et on peut même dépasser le couvre-feu si on va dormir en forêt. Voilà. Et je crois que c'est justement un lieu de tranquillité, de paix. Et j'aimais que cette cabane reste ouverte. Bien que je la tiens secrète tout de même, parce que je ne veux pas qu'elle soit un lieu où qui deviendrait un lieu de passage, mais c'est un lieu ouvert. Alors, il y a une question de Marc. Pensez-vous que quelqu'un qui ne connaît pas la forêt peut faire l'expérience que vous avez menée, vous, ou pas ? Oui, bien sûr. Bien sûr, au contraire, j'envie ce regard très neuf que peut avoir un enfant. J'ai des enfants qui regardent comme ça pour la première fois un flocon de neige ou un bourgeon au printemps. J'envie ce regard neuf et moi j'ai essayé de le retrouver dans ma cabane et je l'ai retrouvé et ça a été merveilleux justement de retrouver ce regard qui manquait vraiment à la beauté et je crois que oui, et d'autant plus qu'en France on est des grands chanceux parce que chaque Français est à moins de 30 minutes d'une grande forêt française, d'une belle forêt française, et donc on peut aller se promener. Alors on n'a pas besoin d'y dormir 3 jours, si on a envie, on peut aller faire des bivouacs en forêt, mais on peut aussi se choisir un arbre. Il n'y a pas besoin d'une forêt pour être émerveillé. Si on prend un arbre, ça peut être un arbre dans une ville, l'arbre qui est peut-être pas très loin de chez soi, dans une rue ou dans un parc, et si on se met à observer cet arbre, le printemps va bientôt venir, je vous assure qu'on retrouve un émerveillement incroyable. Mais il faut oser aller dans l'infiniment petit et parfois se mettre la tête en l'air
Essayer de regarder le ciel bleu comme ça, les nuages traverser les branches, c'est des expériences très lentes aussi où on se rend maître du temps. Tout à l'heure, Fabrice parlait du dialogue avec l'arbre. Et j'aime beaucoup ce mot parce que c'est aussi une petite nouvelle qu'a écrit Paul Valéry qui s'appelle Dialogue avec mon arbre et dans lequel il exprime le fait que l'arbre est le maître du temps. Et l'arbre, il peut nous apprendre à revivre l'instant, il peut nous apprendre à sortir de l'immédiateté. Et je crois que là, n'importe qui peut aller en forêt. Évidemment, il n'y a pas de grand danger en forêt. Évidemment, il faut éviter de se perdre, etc. Mais il n'y a pas de grand danger. On voit souvent la forêt comme quelque chose qui nous fait peur. Mais moi, j'ai l'impression que le sauvage de la forêt me fait moins peur parfois que des zones urbaines à traverser. Alors, est-ce qu'il y a des jours où vous êtes ennuyé ou pas du tout? Jamais, jamais. Je me suis jamais ennuyé parce que déjà il y avait le quotidien qui était pour moi la sobriété heureuse dont parle Pierre Rabhi. Henri David Thoreau parle de simplicité volontaire, de sobriété volontaire. Et donc cette sobriété, en fait, c'est pas si simple d'être sobre. C'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire ne pas avoir d'électricité, ne pas avoir d'eau courante, ne pas avoir de douche. Tout ça nécessite des gestes au quotidien qui sont en fait qui prennent pas mal de temps. Et donc j'avais un petit quotidien qui était consacré à cette sobriété. Par exemple, prendre une douche, il faut aller à la fontaine. Aller à la fontaine, c'est quasiment 1 heure de temps. Remplir les jerrycans, remplir la houtre, l'outre que je prenais, la mettre sous pression, prendre une douche, c'est 2 heures de temps. Quand on prend une douche chez soi, en 10 minutes, c'est fait. Et donc ces gestes de la sobriété heureuse, j'étais heureux. J'ai sculpté aussi, tiens, j'ai mis là, regardez, je vais vous montrer, j'ai sculpté des objets comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est une cuillère que j'ai faite dans la cabane. Et alors ça, j'étais heureux de retrouver, de redevenir maître de mon temps avec en sculptant des objets. Donc je me suis jamais ennuyé. Et bien sûr, j'ai beaucoup observé. J'ai observé les fourmis, les lézards. Quand on observe un lézard, je pense au lézard, sur une branche, là, il est monté se mettre au soleil. Et je me disais, tiens, qu'est-ce que fait ce lézard si haut? Le plus haut de mon chêne, c'est 15 mètres. Et moi, j'étais là-haut dans les branches de mon chêne à observer autre chose. Et je vois un lézard qui venait de sa langue attraper les fourmis, comme ça, et qui les mangeait. Je me dis, c'est extraordinaire. Et moi, j'ai passé du temps juste à observer un lézard qui ensuite traversait la cabane et redescendait vers les orchidées en bas dans la forêt, entre les lierres et les orchidées. Puis les oiseaux, toujours au rendez-vous. Oui, j'étais au niveau. Alors, vous savez, on parle en forêt de niche forestière. Eh bien, moi, j'étais dans une niche où vivent les sittelles, les loirs, les mésanges. Les piquets-pêches sont un peu en dessous, souvent. Mais j'étais dans cette niche forestière et je me suis senti bien. Vivant dans la forêt. Si bien qu'à la fin, j'avais vraiment l'impression d'être vraiment appartenant à la forêt. Un des leurs. Oui. Alors, Émilie a une question sur est-ce que cette expérience a changé quoi? Pas en vous, mais l'écriture. Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, beaucoup, parce que c'était un voyage immobile et j'avais l'habitude d'écrire des récits de voyage, mais qui était un pied devant l'autre ou dans le mouvement. Et donc dans le mouvement, il y a beaucoup plus d'occasions de divertir le lecteur, de l'emmener, c'est-à-dire qu'il y a le feu de l'action, le feu du mouvement, les rencontres successives, alors que là, immobile, mon écriture a dû se transformer un peu justement pour essayer d'amener vers deux choses, c'est-à-dire ne pas ennuyer le lecteur. Faire comme ce que j'ai vécu, c'est-à-dire ne jamais ennuyer le lecteur dans la cabane et dans l'arbre, donc le faire goûter à cette joie des rencontres sylvestres, et puis essayer de creuser en moi, d'aller un peu dans mes profondeurs pour pouvoir amener de manière pudique, de manière sobre, mais de pouvoir emmener le lecteur dans certains tréfonds et dans certaines gaietés de ma vie, dans un certain enthousiasme qui m'est apparu là-haut, et de pouvoir le partager. Ça a nécessité de beaucoup travailler mon écriture et j'avoue que ça a été comment dire, un accouchement. J'ai mis 1 an à écrire ce livre, 3 mois en cabane pour 1 an d'écriture. Vous voyez le rapport et en réalité, ça fait partie d'une certaine comment dire, de thérapie à la mélancolie. L'écriture, c'est d'ailleurs très
très salvateur. Et comme mon arbre a été à un moment une petite planche de salut, une petite branche de salut dans ma vie, l'écriture de ce livre a été aussi une sacrée planche de salut. Oui. Donc vous n'avez pas du tout écrit ce livre dans votre cabane, vous l'avez juste terminé. Si, j'ai écrit. Pardon, j'ai écrit tout mon journal de cabane, tout mon journal d'arbre est résumé dans un carnet, un beau carnet en cuir. Là, j'ai écrit tout et ensuite j'ai pris ce carnet-là et à la maison, j'ai écrit le à partir du carnet. Voilà. Et j'avais commencé dans l'arbre, j'avais commencé un plan et j'avais quelques idées. Tous les jours, je m'astreignais à l'écriture et donc, par exemple, les aphorismes ou les phrases de philosophie de vie, elles viennent beaucoup de ce temps d'écriture de journal de cabane. Alors, Sébastien, il y a une question importante aussi. Comment s'est passé le retour sur Terre, quand vous êtes redescendu sur la Terre? Ah oui. Est-ce que vous n'êtes pas reparti, j'allais dire, entre guillemets, en dépression? Parce que vous étiez tellement heureux dans votre cabane que revenir sur Terre, comment ça se passe? Oui, c'est vrai qu'en montant, j'étais lassé du monde et lassé de moi-même, mais j'en suis redescendu beaucoup mieux. Parce que je me suis réconcilié avec le vivant et le fait de me réconcilier avec le vivant, avec la biodiversité, de retrouver une certaine alacrité intérieure, c'est-à-dire l'alacrité, j'aime beaucoup ce mot parce que c'est l'alliance de la joie et de la vivacité. Et donc cette alacrité qui m'est venue dans l'arbre, bah, j'ai essayé de la garder bien chevillée au corps en descendant pour qu'elle ne s'échappe pas. Je vous avoue que c'est pas tous les jours rose parce que ou vert si on pourrait filer la métaphore, c'est pas tous les jours vert parce que je suis redescendu dans un monde qui me paraissait bien abîmé et qui s'abîme encore plus avec ce que nous vivons. Et donc j'ai quitté un monde en ruine, je reviens dans un monde en ruine encore plus. Mais il y a les frondaisons qui les traversent et quand on voit effectivement pour filer la métaphore de la ruine, une forêt brûlée, une forêt en guerre. Quand on pense aux forêts des tranchées à Verdun qui ont été entièrement rasées, donc ces forêts sont brûlées, rasées, dessouchées, mais il y a une renaissance qui vient et j'essaie de conserver cette renaissance, ces rameaux qui rejaillissent. Je crois que tout à l'heure, Fabrice, tu voulais évoquer des références littéraires. Est-ce que tu veux dire, ce serait peut-être un peu long, mais Edouard, je ne sais pas. Y a, en fait, votre livre a une belle place aujourd'hui, je dirais, dans une bibliothèque qui évoque l'arbre et qui parle de l'arbre. Alors, dedans, il y a des romans. Moi, ça m'a rappelé, enfin, ça ne m'a pas rappelé, mais bien sûr, j'ai pensé au Baron Perché. J'ai pensé en jeunesse à Toby Lawlness. Ah, très bien. Je pense à certains livres parus chez Actes Sud autour de l'arbre, hein, des essais, je veux dire. Il y a ce livre qui est sorti l'an dernier. Il y a ce livre qui est sorti l'an dernier sur le dialogue avec l'arbre de cet Allemand qui est garde forestier. Il y a toute une littérature et des essais autour de l'arbre. Et puis, dans cette rentrée d'hiver, il y a une expérience de cabane aussi qui est assez belle, un petit peu francophone, puisque c'est une Québécoise. Chez Le Mot et le Reste, il y a un livre qui s'appelle Encabané. Encabané, oui, j'ai vu ça. Très, très bien, très, très bien. Ouais. Et du coup, ouais, comment vous vous situez par rapport à cette bibliothèque? Est-ce que vous l'avez écartée pour écrire ou est-ce qu'elle elle est des vôtres aussi? Enfin, vous êtes placé dedans? Non, je me place dedans, mais toujours en marge, c'est-à-dire toujours en hauteur, dans le sens où, oui, il y a de l'inspiration dans tous ces livres, notamment Le Baron Perché, parce que j'en suis en réalité une illustration. Je suis allé me percher dans un arbre parce que j'étais las de la vie. Et donc, il y a beaucoup du Baron Perché en moi et beaucoup du Baron Perché dans cette expérience. Mais je ne sais pas si on peut dire il y a plus, parce que Le Baron Perché est un livre très philosophique. C'est un livre merveilleux. Mais il y a le recours au sauvage. C'est-à-dire que le sauvage est pour moi très important. C'est-à-dire qu'il est une alliance entre ce que vous évoquez là, les références littéraires, la bibliothèque, les livres verts, si je puis dire, et en même temps, la nature que je dois vivre. Et donc, je n'aurais pas pu écrire si je n'avais pas vécu cette expérience dans l'arbre, si je n'avais pas été traversé par la forêt, si je ne m'étais pas enforesté. Je ne serais pas capable de produire, par exemple, un roman comme je l'ai fait là, parce qu'il me fallait une expérience intime de la forêt. Et donc c'est une expérience un peu existentialiste à la manière de Thoreau.
Vous voyez, donc on est entre le baron perché et mon maître, un de mes maîtres, qui est par exemple John Muir, si on veut évoquer l'écologie, le sauvage, l'intériorité. Vous avez évoqué tout à l'heure John Muir, et j'aime beaucoup cette figure, justement, pour qu'il y ait une alliance entre la marche, le rapport à la nature, à la férocité de la nature aux États-Unis, et en même temps, vraiment toute la traduction poétique et intérieure de K. John Muir dans les quelques récits qu'il nous a laissés. Et il y a un peu de... Il y a un peu... Pardon. Non, il y a un peu... Il y a un peu de... Il y a quelque chose quand même, se laisser traverser par le sauvage, mais parce que ça m'intéresse comme expérience philosophique, vous voyez. Il n'y avait pas uniquement la consolation par l'arbre, il y avait aussi essayer de, en allant à la sève des forêts, essayer d'en tirer une petite sève intérieure qui me nourrisse et qui m'aide à aller dans la vie. J'aime beaucoup votre éclectisme littéraire et philosophique qui est pas un en même temps, qui est plutôt tirer un petit peu du miel de plein d'endroits et en faire le sien, quoi. Est-ce que, Nathalie, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas. Non, il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes, là. Est-ce que je peux lire un petit texte qui n'aura pas du tout, qui ne rendra pas la beauté du livre dans tout ce qu'il offre, mais je trouve qu'on est quand même dans une époque un peu particulière. Et ce livre parle de beaucoup de choses. On a fêté Orwell cette année, enfin en 2020, la fin 2020. Est-ce que je peux lire un tout petit passage? Oui, mais alors rapidement, parce qu'il nous reste vraiment 2 minutes. Je vais essayer de bien le lire. C'est tout petit. Le bazar planétaire, non content de nous avoir par la machine, le rendement et la dette, vidés de nos capacités, réussit le prodige de nous vendre des objets suffisamment médiocres pour que nous les rachetions sans fin. Des objets du nulle part, qui ne s'incarnent dans aucune main ni visage. Sans savoir-faire, les robots nous volent surtout un savoir-vivre. Belle conclusion. Alors, je vais rappeler que le merveilleux livre d'Edouard Cortès, Par la force des arbres, sorti aux éditions des Équateurs, est encore sur toutes les tables de librairie. Vous pouvez aller l'acheter chez De Sitre. Vous allez voir Fabrice, au Forêt du Nord, à la librairie Martin Delbert à Agen. On va se retrouver demain dans un univers beaucoup différent. On va partir en jeunesse. On retrouvera Marion Brunet à 19h pour Plein Gris, paru chez les éditions Pocket Jeunesse. Edouard Cortès, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci. Animation. Merci. Lisez Edouard Cortès et allez dans les arbres, c'est important. Merci messieurs et bonne soirée.